Eh bien salut tout le monde, c'est CloppyBoys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. J'étais en domination sur la map Lockdown. Je jouais avec la M4A1, silencieux, recul. Ensuite j'avais le radar portatif et la Semtex, hein, comme d'habitude. En killstreak, donc j'avais les killstreak spécialistes, puisque c'est une tentative MOAB à la M4A1. J'étais en compagnie de quelques abonnés pendant cette partie, dont un abonné que j'invite souvent avec moi pour faire des parties, puisqu'on s'amuse bien ensemble. On réalise beaucoup de moabs, on s'amuse beaucoup et c'est vraiment sympathique. Donc voilà. Je voulais d'abord vous parler de la M4A1, la M4A1 qui est une arme que je ne vois pas trop sur le multijoueur. Contrairement à des ACR ou des MP7, je ne critique pas du tout ces armes, hein. Je les utilise souvent et pour me prendre du plaisir à jouer, etc. Mais je tenais juste à préciser que l'on trouve moins de M4A1 que d'ACR sur le multijoueur. Alors que cette arme est très puissante, pardon. Elle est quand même assez précise. D'autres personnes n'apprécient pas du tout son viseur. Moi je l'aime bien, hein. Il suffit juste de s'y habituer. Parce que il est quand même assez précis, hein. Vous voyez, c'est vraiment un bon viseur pour ma part. Voilà. Je voulais aussi vous parler un peu de mes trucs et astuces pour réaliser une mob sur cette map, puisque j'en ai quand même déjà réalisé quelques-unes, hein. Je crois quand même savoir quelles sont les meilleures techniques. Je vous conseille de faire des allers-retours entre A et C. Surtout ne pas passer par le point B, puisque le point B est au milieu de tout. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont vue sur le point B, donc je vous déconseille fortement de ne pas aller sur B. Si vous êtes en très bonne série sur cette map. Là j'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai réussi à placer un coup de cut. Je vous conseille de faire des allers-retours, hein, comme j'ai dit, en passant par le bâtiment qui se trouve. Attendez, là je peux pas vous le montrer. Le bâtiment qui se trouve en bas des escaliers là, à gauche. Enfin, quand vous montez vers le bâtiment à gauche. En passant par ce bâtiment, vous avez moins de chances de le faire tuer. Ce qui est plus arrangeant pour tenter une MOAB. Par contre, je vous déconseille de passer de l'autre côté, donc du côté opposé où je suis, puisque vous aurez beaucoup plus d'ennemis qui vous verront. Puisque s'ils sont avec un sniper à une fenêtre d'un des bâtiments dont je parlais avant, vous ne le verrez certainement pas et vous allez le faire tuer durant votre série, ce qui serait assez bête. Cette vidéo, je voulais aussi vous parler d'un nouveau concept que j'ai créé, enfin que j'ai créé entre guillemets. Ça peut être une série, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est-à-dire que je vais, comme vous l'avez constaté, je ne sors pas beaucoup de vidéos. Enfin, en tout cas, j'en sors une tous les 6-7 jours à peu près. C'est vraiment pas top, j'ai envie de dire. J'ai décidé de faire un jour dans la semaine. Ça sera soit le samedi ou le mercredi, je pense, un des deux jours, où je vous posterai une MOAB, une tentative MOAB ou une MOAB, hein, peu importe, en musique. C'est-à-dire que je ne ferai pas de commentaires dessus. Ce sera juste le gameplay plus une musique. Ce qui me permettra de vous procurer plus de vidéos. Qu'il y ait un peu plus d'activité sur ma chaîne. Je commencerai ça à partir de la semaine prochaine. Au passage, là, j'ai eu extrêmement beaucoup de chance. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup de chance sur ce main de mort. J'ai même pas compris comment j'ai fait pour résister à cette explosion. Mais bon, tant mieux pour moi, hein, j'ai envie de dire. Oui, ça sera soit le samedi
ou le mercredi, donc je commencerai certainement dès la semaine prochaine. Donc je pense que ça sera plutôt vers le samedi soir, aux alentours de 19h-20h. Donc ça peut très bien être une MOAB, comme une bombe nucléaire sur MW2, ou alors ça pourrait très bien être les chiens d'attaque, donc sur Call of Duty Black Ops, que je débloquerai avec une arme difficile d'utilisation ou très peu utilisée. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai tenté le défi d'un de mes abonnés, qui était de débloquer les chiens d'attaque au couteau balistique et au tomahawk uniquement. Donc j'ai pas vraiment beaucoup essayé, c'est-à-dire que j'ai fait quand même une bonne dizaine de parties sur Black Ops pour le tester. Donc j'ai pas réussi, parce que soit je tombais sur des maps trop grandes, ou alors les ennemis me tuaient au bout de 9 kills comme ça, donc c'était vraiment gênant. Donc je vais quand même continuer de le tester, même si en ce moment je suis plus sur les tentatives mobs, etc. Je joue vraiment en ce moment pour réaliser ces petites bombes mobs. Donc j'en ai quand même déjà réalisé pas mal, hein, avec différentes armes. Donc voilà. Donc j'espère quand même que ce nouveau concept sur ma chaîne va vous plaire. Pensez à mettre un petit commentaire pour me donner votre point de vue. Je voulais aussi vous parler de... Qu'est-ce que c'était vous Au passage, là, je débloque ma bombe Moab. Donc encore une tentative... j'ai réussi. Donc là je vais quand même tenter d'augmenter ma série de donations, mais vous allez voir, je vais mourir, enfin voilà, je suis mort, donc je n'ai pas arrivé à faire grand chose une fois que j'avais débloqué cette bombe web. Donc les ennemis n'étaient pas très forts, hein, mais ils jouaient quand même avec des armes un peu abusées. Vous voyez, là je me suis fait tuer par des FMG9 à Kimbo, mais bon, ça, heureusement que je n'ai pas eu à affronter cette personne durant ma série, puisque ça m'étonnerait que j'aurais réussi à l'achever avec ma M4, et lui avec sa FMG9, il aurait certainement pris le dessus. Donc voilà. Donc je remercie aussi les abonnés qui jouaient avec moi, qui m'ont envoyé quelques drones pour tenter cette MOAB. Donc voilà. Donc dites-moi si vous appréciez le nouveau concept sur ma chaîne. Donc ça sera avec une musique qui normalement ira bien avec le gameplay. Donc aussi en ce moment, je vous l'ai dit un peu avant dans la vidéo, je suis entièrement dans les tentatives MOAB. Donc je tente des MOAB avec le maximum d'armes différentes. Donc le temps vraiment de diversifier les armes, etc. Puisque toujours faire une MOAB à la CR ou la MP7, c'est vraiment... ça commence à devenir lassant, puisque c'est quand même assez facile. Parce que j'en ai déjà réalisé quand même pas mal avec ces deux armes. Mais je continue quand même à l'utiliser de temps en temps pour me faire plaisir. Pour prendre du plaisir à jouer. Donc je vais quand même pas réaliser une MOAB Only Cut ou avec... l'USP Tactical, hein, je commence d'abord par les différents fusils d'assaut, avec les mitraillettes ou des trucs comme ça, hein. Je vais pas faire non plus des mobs avec... Là je me suis à nouveau fait tuer par les FMG9, donc j'ai pas vraiment ragé puisque j'avais quand même débloqué ma mob, alors que j'étais en série, j'étais à 8 kills de ma double mob. Donc si j'avais été un peu plus concentré, j'aurais certainement pu débloquer cette... deuxième mob dans la même partie, ce qui aurait été pas mal. Donc je reviens, hein. je tente un maximum de mobs avec des armes différentes, donc pour vous mettre différentes vidéos. Donc là vous voyez, hein, les ennemis, ils arrivent à peine à sortir de leur respawn, qui sont déjà morts. C'est vraiment une pure boucherie, hein. On a vraiment bien joué à cette partie. Là, les ennemis ne me tiraient même pas dessus. Je me demande comment ils ont fait pour ne pas me voir à certains moments. Après, ils ont quand même réussi à m'achever.
Donc, je vous conseille quand même de prendre cette M4A1 pour tenter les moins B si vous en avez un petit peu plus de difficultés. Donc c'est l'endroit où je suis actuellement où qu'il faut vraiment éviter quand vous êtes en tentative MOAB que je vous ai parlé avant, puisque c'est l'endroit le plus un des plus comment dire un des plus fréquentés, voilà, un des plus fréquentés, pardon. Donc c'est quand même prendre un go, c'est quand même de prendre un gros risque si vous êtes en bonne série de passer à cet endroit-là. Donc la vidéo va toucher à sa fin, comme vous le voyez au score. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez aussi le nouveau concept sur ma chaîne. Donc si vous avez aimé tout ça, pensez à laisser un petit pouce bleu, sinon un petit pouce rouge, tant pis, hein. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et bye tout le monde. Et je précise juste que je termine sur un très joli score que vous allez voir tout de suite.